cette nouvelle vidéo de présentation d'uniformes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme des parachutistes américains de la 101e aéroportée. Avant toute chose, je dois vous prévenir de plusieurs points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira après pour aller vous documenter, que ce soit dans des bouquins, dans des magazines ou sur internet. N'hésitez pas à aller faire fouiller partout autour de vous, soyez curieux. Ensuite, si jamais vous voyez des points à revoir sur ma tenue, eh ben en fait, vous en savez sûrement plus que moi. Cette vidéo, comme je le disais, n'est qu'une base. Je n'ai absolument pas la prétention de tout savoir sur le domaine. Vous connaissez sans doute déjà tous cet uniforme, mais ceci dit, une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal. Ceci afin d'éviter des erreurs plus ou moins bêtes de débutants et pouvoir faire de la reconstitution très rapidement sans avoir à beaucoup investir. Je ne présenterai que les éléments que je porterai sur moi pour vous éviter une vidéo qui durera 2 heures. Et enfin, vous pourrez retrouver dans la description la liste complète de ce que je présente avec le minutage et ce qui constituera en fait la kit list de la vidéo. En 1942, cette division devient aéroportée et est constituée des 502e régiment d'infanterie parachutiste, des 327e et 401e régiment aéroporté, donc en Glider Infantry Regiment, qui était donc équipé de planeurs. À la Mu 43, elle fait le déplacement pour rejoindre la Grande-Bretagne pour être renforcée par les 501e et 506e régiments d'infanterie parachutiste. Dans la nuit du 5 au 6 juin 44, les Pathfinder, suivis de la division complète, sautent dans un rayon de 40 km sur la Normandie. Leur objectif, pouvoir dégager l'accès à la plage d'Utah Beach. La division a perdu pendant la nuit environ 1500 hommes, soit tués, soit prisonniers, mais remplit la plupart de ses objectifs initiaux. Elle fut ensuite engagée dans l'opération Market Garden, qui fut un échec monumental, puis dans la bataille des Ardennes, où elle fut encerclée à Bastogne pendant plusieurs semaines. Le général McAuliffe, commandant la 101e, refusant la proposition de capitulation allemande, et c'est là qu'il a balancé son magistral Nuts. Et c'est Patton et sa 3e division blindée qui est venue débloquer la situation. La division défend ensuite une position à Haguenau, sur les rives de la Modère, puis est envoyée à Berchtesgaden. Mais contrairement à ce que dit le livre de Stephen E. Ambrose, Band of Brothers, puis la série du même nom, réalisée par Tom Hanks et Steven Spielberg principalement, la 101e aéroportée a certes été la première à pénétrer dans Berchtesgaden, mais ils se sont reposés sur leur laurier et ignoraient qu'il y avait un bâtiment qui s'appelle Berghof, où il y a quand même pas mal de trésors, et un autre qui s'appelait le Kelsteinhaus, le nom comme ça ne vous dit pas forcément quelque chose, mais Nidegle, là ça vous dira quelque chose. C'est la 2e DB du général Leclerc qui a remporté cette symbolique compétition. Entre le 6 juin 44 et le 8 mai 45, la division a reçu 2 citations présidentielles et a perdu plus de 2000 hommes pour environ 6000 blessés. Les vêtements portés par les parachutistes US étaient destinés à être portés en été. En effet, pas de veste avec doublure laine comme pour l'infanterie et des vêtements assez fins réalisés en coton. C'est pour cette raison que la tenue a été rapidement remplacée à partir de septembre 1944. A noter que je me suis déjà barbouillé la figure, vous pourrez ne le faire qu'à la fin. La chemise M37 couleur marron, aussi surnommée chemise moutarde, est réalisée en coton et en laine. C'est pour cela qu'elle peut gratter, mais on s'y habitue vite. Elle est dotée de 2 poches de poitrine destinées à emporter ses papiers d'identité ou son portefeuille. Vous trouvez que j'ai un gros ventre? Détrompez-vous, c'est la chemise qui est rentrée dans le pantalon car une chemise de l'époque est très longue. Pour preuve, elle est à ma taille. Par-dessus, nous allons rajouter 2 dog tags, une à emporter si le soldat mourait et l'autre à lui mettre dans la bouche pour faciliter l'identification du corps. En bas, les parachutistes US portaient un pantalon renforcé M42. Il est fait d'une toile en coton légère avec 2 poches cargo présentes sur les cuisses. Des liens en toile de la même couleur que le pantalon vous permettront de maintenir les poches contre vos cuisses. Petit conseil, remplissez toujours vos poches, même avec du contenu plus ou moins inutile, comme cette paire de chaussettes. Un uniforme plat est un uniforme moche. Vous allez tous penser que renforcer veut dire solide. Raté. Des renforts sont ajoutés sur les genoux et sur les épaisseurs des poches cargo, mais cela ne vous évitera pas d'abîmer le fond de culotte qui est très fragile au premier grand écart que vous ferez. Pour porter ce pantalon, je vous conseillerais d'utiliser des bretelles, évitant ainsi d'avoir des problèmes lorsque vous avez des poches remplies. Une ceinture pourra venir en complément, le pantalon ayant des passants. Les bottes de Sokorkoran étaient destinées aux unités d'élite de l'armée de terre US.
C'est pour cela que les parachutistes ont tous été équipés avec ces bottes, d'où leur appellation bottes de saut. Elles sont d'ailleurs toujours fabriquées de nos jours, vous en voyez actuellement une paire. D'excellente qualité, elle résistera à des kilomètres de marche, contrairement aux copies que vous pourrez trouver pour un peu moins cher. Attention à bien mettre le bas du pantalon dans les bottes, le bas des manches n'étant pas destiné à être vu. Les lacets peuvent être en cuir comme ici, ou cela peut être des suspentes de parachute. Les lacets fournis d'origine avec la paire de bottes ne sont pas forcément à garder, ils sont orange et jaune de mémoire. Les Corcoran de l'époque peuvent avoir la lettre C tamo formée sur la semelle du talon. Ce n'est pas le cas ici, pour ne pas qu'elles puissent être revendues comme des pièces originales après les avoir beaucoup portées. Pourtant, l'étiquette officielle Corcoran est présente dans chaque chaussure. La veste renforcée M42 est la veste typique des paras US en Normandie. Dotée de 4 poches sur l'avant, dont 2 renforcées par de la toile olive drabe, elle a également des renforts au coude de la même nature que les renforts de genoux du pantalon. Elle est dotée d'une ceinture, également faite en toile, passée dans 3 passants. Cette ceinture est en fait optionnelle et beaucoup préfèrent l'enlever car elle n'a qu'un rôle esthétique lorsqu'on ne porte pas le ceinturon. On peut voir le brassard anti-gaz sur la manche droite, ici fabrication maison. Le principe était simple, lorsque du gaz toxique était détecté, il changeait de couleur. La veste est fermée par une fermeture éclair avec quelques boutons pression sur le col que je vous conseille de ne pas utiliser. Les poches sont fermées par des boutons pression, placés différemment suivant le fabricant de la repro de la veste, et on pourrait y placer du petit matériel. Ici, j'ai choisi 2 accessoires très utiles, un miroir renforcé qui permettait de se raser, mais aussi de pouvoir observer derrière un mur, un talus, ce qui se passait sans s'exposer, façon périscope. A noter qu'il y a 2 hauteurs, dont 2 rangées de boutons pression mâles afin de pouvoir fermer les poches, même si celles-ci sont complètement remplies. Avec ceci, nous trouverons le criquet utilisé par les para-US pour se reconnaître la nuit. On pourra aussi le scotcher sur la jugulaire du casque pour qu'il soit plus rapidement accessible. A noter que seuls les paras de la 101ème avaient ce modèle de criquet, les paras de la 82 avaient des jouets. Sur le haut de la veste, nous retrouvons une petite poche destinée à y placer un couteau M2. Étant donné que je n'ai pas ce couteau, j'y ai placé un autre couteau du même type. Il est relié à l'épaulette au moyen d'une ficelle ou d'une suspente de parachute. Il était placé ici pour permettre un accès rapide pour couper les suspentes du parachute en cas de problème. Sur la manche gauche, on retrouve l'insigne de la 101ème aéroportée, cousu à 1,27 cm de la couture. Pensez à bien remplir votre poche si vous ne les utilisez pas, pour ceci j'ai mis une paire de chaussettes, qui pourra d'ailleurs réellement servir en cas de besoin. Le para US était très chargé. Il devait pouvoir survivre en territoire ennemi pendant 2 à 3 jours, si jamais le débarquement s'était mal passé. Ainsi, le ceinturon et le brelage étaient le principal casse-tête du para US. Comment transporter le maximum d'équipement et qu'il reste à portée de main tout en sachant que la place était limitée. Le ceinturon M36 est le ceinturon le plus couramment porté par les para-US, sauf par les détenteurs de garant. Sur ce ceinturon, nous pourrons trouver une pochette qui contiendra le kit de premier soin, le First Aid Kit. Il est placé volontairement sur l'avant du ceinturon pour qu'il soit rapidement et facilement accessible par un coéquipier en cas de souci. Les para-US de la 101ème aéroportée, contrairement aux autres divisions, pouvaient porter un Colt 1911A1, il était toléré. Il était transporté dans le holster en cuir brun rouge doté du marquage US. Le Colt 1911A1 était l'arme de dotation dans toute l'armée US depuis sa mise en service en 1911. Il a subi quelques évolutions depuis cette année, vous pourrez retrouver son historique ainsi que la présentation de cette réplique dans la vidéo dont le lien est dans la description. La pelle pliante M1943 était la plus pratique et pouvait être placée dans un étui vert olive, comme ici, ou beige avec un bord vert. Il s'agit ici d'une pelle française après-guerre, presque identique au modèle US Seconde Guerre. La gourde M1910 était placée sur le quart arrière gauche du ceinturon, rangée dans un étui renforcé pour les parachutistes US. 2 bandes de toile étaient cousues en plus sur l'arrière de l'étui, celui-ci pouvant s'endommager lors des chocs de l'ouverture du parachute ou de l'atterrissage, surtout avec une gourde de presque 1 litre remplie. Un quart vient s'emboîter dans la gourde et le tout vient se coincer dans l'étui, fermé par 2 boutons pression. Notre parachutiste américain étant armé d'une carabine USM1 A1, il a donc besoin de porte-chargeurs. En voici un modèle qui peut contenir 2 chargeurs d'USM1. Il s'agit ici de chargeurs en version Airsoft de la marque Marouchine, n'ayant pas assez de chargeurs originaux pour les remplir. Les chargeurs de la carabine USM1 pouvaient contenir 15 cartouches chacun. La pochette de transport de type Rigel Made était destinée à pouvoir transporter du matériel en plus, que ce soit des chargeurs, des clips de garand pour les détenteurs de fusils, des grenades, etc. Tout ce qui était assez gros pour passer dedans, mais pas trop petit, le rabat ne permettant pas de conserver les petits objets dans la pochette. J'ai choisi d'y placer les chargeurs supplémentaires de la carabine USM1A1 de chez King Arms, ceci étant trop volumineux pour être contenu dans les porte-chargeurs classiques.
Bien sûr, ce n'est pas réaliste, mais c'est une décision d'airsofter que j'ai dû prendre. Le porte-chargeur prévu pour transporter les chargeurs de Colt 1901 se place sur l'avant du ceinturon, sur le bouton pression situé à l'arrière du ceinturon M36, le côté mâle du bouton étant situé sur le rabat arrière de l'étui. Un deuxième First Aid Kit, emballé dans une housse spéciale, était placé sur le brelage et non sur le casque, erreur courante des débutants. Accroché au brelage, on retrouve une grenade US MK2, passée dans le crochet métallique en haut des bretelles M36. Vous remarquerez que je n'ai rien placé sur le côté droit, ceci afin de pouvoir épauler avec mon arme. Les bretelles M36 étaient obligatoires pour maintenir le ceinturon en place lorsque celui-ci était chargé. Parce que les para-US étaient lourdement chargés, il était nécessaire de protéger un minimum leurs épaules avec ces bandes de feutre à placer dans le brelage. A noter que la boucle du brelage doit être placée par-dessus. Les parachutistes étaient équipés du casque M1C ou M2. Le M2 avait des pattes de fixation en demi-lune sur le casque lourd, comme ici. Le M1C premier type était équipé de pattes fixes rectangulaires. Un filet moyenne maille était coincé entre le liner et le casque lourd. Sur l'arrière, on peut retrouver un disque fluorescent qui permettait le repérage en colonne de nuit. Ainsi, vous pouviez voir où se situait votre camarade vous précédant. Le liner spécifique para devait être équipé de A-yokes et d'une mentonnière en cuir que les paras rangeaient dans le fond du casque dès leur arrivée au sol. Avoir une sangle qui pendouille contre votre joue n'étant pas de meilleur goût. Accrochée sur le brelage M36, la musette M36 était utilisée par tous les parachutistes américains pour y stocker le reste de leur matériel. On y trouve, coincée dans la poche latérale, une lampe coudée TL-122 qui pouvait être équipée de filtres de couleur. La musette est accrochée sur l'avant du brelage, sur les anneaux que je vous ai présentés précédemment, sur lequel est accrochée ma grenade. Le brelage M36 étant doté de 4 sangles avec crochet à l'avant, deux de chaque côté, vous pouvez accrocher une sangle de chaque côté sur l'avant du ceinturon M36. Les deux crochets restants seront fixés sur les anneaux situés en bas de la musette M36 de façon à faire un sac à dos. De cette manière, une fois que le sac est placé, il ne pourra plus bouger, quels que soient les mouvements que vous ferez. Certains équipements ne pouvant être placés sur le brelage lors du saut, ils pouvaient être positionnés sur le mollet à l'aide d'une sangle rapide en toile. Ici, nous retrouvons une mine Hawkins de fabrication anglaise avec une pochette dans laquelle se trouvait une boussole. Et enfin, on y trouvera également un couteau USM3 dans son fourreau USM8. Le fourreau devait disposer d'un lien, ici un lien en caoutchouc avec du fil de fer dedans, afin de le maintenir contre la botte. Veillez à bien placer la sangle rapide sur le haut de votre mollet pour éviter que l'ensemble ne glisse. A l'origine destinée aux cavaliers, ces gants ont été utilisés en masse par les para-US. Lorsque vous recevrez vos gants, repliez le bord vers l'extérieur pour recouvrir la boucle de serrage sur le dessus. Le foulard que je porte ici provient d'un parachute camouflé de T5. Porté uniquement lors du saut en parachute, l'étui à masque à gaz, le même que celui de l'infanterie, était porté sur la cuisse gauche. Les deux sangles sont à placer d'abord autour de la jambe, sans trop serrer sous peine de vous faire mal lors du saut, et la sangle supérieure se place autour de votre taille. L'idéal est de la placer par-dessus votre veste M42, mais mes poches remplies et mon équipement déjà en place m'en empêchent. Je l'ai donc mise par-dessous. Bien sûr, cet équipement est facultatif, tout comme les éléments placés à la cheville, car les paras s'en débarrassaient rapidement ou les rangeaient dans la musette. La musette GP pour General Purpose était, comme son nom l'indique, destinée à recevoir plein d'éléments divers et variés, que ce soit des munitions supplémentaires, des rations, etc. Ici, j'ai choisi d'y placer la housse renforcée de mon appareil photo numérique. Très pratique pour ranger discrètement votre appareil photo lorsque vous êtes en reconstitution. Cela vous évitera d'avoir une housse moderne qui viendra gâcher l'ensemble. De plus, cela donne une forme sympa à la musette. Fabriquée à 150 000 exemplaires seulement, la carabine USM1 A1 était l'arme légère de prédilection des parachutistes américains. Sa crosse repliable permettait son transport dans la housse spéciale lors du saut. Ici, il s'agit de la réplique d'Airsoft de chez King Arms. Vous pourrez retrouver le lien de la vidéo faite à ce sujet dans la description. Il est également possible de s'en procurer une chez Denix ou de prendre une Marouchine et de changer la crosse. Un porte-chargeur supplémentaire a été disposé sur la crosse repliable afin d'avoir deux chargeurs supplémentaires à portée de main. Une bretelle sera placée sur le bas de la poignée pistolet et sur la grenadière à l'avant de l'arme. Comme précisé précédemment, il est déconseillé de placer des éléments sur le côté du brelage servant à épauler, ainsi vous ne serez pas gêné lorsque vous utiliserez votre arme. Voici la vue d'ensemble de la tenue portée par les parachutistes américains de la 101ème aéroportée. Vous remarquerez sans doute l'absence de marquage sur le casque, alors qu'il est bien connu qu'il y avait des insignes de casque pour reconnaître les régiments. Sauf que le 2e bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutiste n'avait pas de marquage sur leur casque lors de la campagne de Normandie. Band of Brothers a donc faux sur le sujet.
La pelle doit être placée de façon à ce qu'elle ne gêne pas lorsque vous posez un genou à terre. Le pantalon M42 était équipé de poches cargo permettant de transporter plein de matériel. Elles étaient plaquées contre les cuisses par des sangles en toile ajoutées sur les jambes. A noter qu'il vous faudra être bon en couture pour accommoder le fond de culotte, ce pantalon étant très fragile. Les bottes de ce Corcoran équipaient toutes les troupes d'élite. Les parachutistes en faisaient partie, c'était leur botte de prédilection. On peut voir, à l'étiquette, qu'il s'agit d'une fabrication actuelle mais authentique de chez Corcoran. La chemise moutarde M37 peut être optionnelle, car non visible une fois la veste M42 portée. Mais néanmoins, elle vous servira à y stocker du petit matériel ou vos papiers d'identité. Elle doit son surnom chemise moutarde à sa couleur. La veste renforcée M42 était portée par-dessus la chemise moutarde et est dotée de 4 poches. Elle se ferme par une fermeture éclair et une ceinture en toile à sa taille. Sur l'épaule droite, on remarquera un brassard anti-gaz, un couteau M2 ou similaire sera à glisser dans la pochette le long de la fermeture éclair. L'insigne des Screaming Eagles est à coudre sur la manche gauche à 1,27 cm de la couture. Et voici un miroir et le fameux criquet à placer dans des poches. Pour donner un effet rempli à la veste, j'ai rempli les poches, qui se ferment avec des boutons pression, avec des chaussettes. Le casque M1C ou M2 comme ici est équipé d'un filet à maille moyenne avec des morceaux de toile de jute. On remarquera le disque de reconnaissance nocturne à l'arrière ainsi que le criquet que vous avez vu précédemment. L'ensemble est d'après-guerre, reconditionné par un professionnel. Les eye-yokes spécifiques au liner para sont présents, mais dissimulés, et la sangle de casque lourd a un bouton pression sur le liner pour le sécuriser lors du saut. Le brelage constitue la vie du parachutiste. Il est composé de nombreux éléments à agencer avec méthode. Un porte-chargeur de Colt 911, une pochette Rigor Made, un porte-chargeur du SM1, une gourde M1910 avec son quart dans sa housse renforcée, le tout monté sur un ceinturon M36. Une pelle pliante M1143 dans son étui, le holster de Colt 911, même les hommes du rang de la 101e aéroportée pouvaient porter le Colt suite à des restes de vieux règlements, et le First Aid Kit rangé dans son étui M1124. Accroché au ceinturon, nous retrouvons le brelage M36 sur lequel sont placées des bandes de feutre que j'ai ici renforcées avec de la toile de jute sans que cela ne se voie de l'extérieur. Sur la bretelle gauche, nous pouvons mettre une grenade MK2 ainsi qu'un autre First Aid Kit, celui-ci étant spécifique pour les parachutistes. La musette M36 est censée contenir tous les effets personnels du soldat. La musette se fixe au moyen de crochets à mettre aux boucles sur le haut du brelage. Sur le côté, on pourra y placer une lampe coudée TL-122. Arrangez-vous pour que la musette soit le plus haut possible dans le dos. Si vous n'avez rien à y mettre dedans, bourrez-la avec des fringues civiles. Une musette plate et moche par définition. Les gants de cavalerie sont indispensables pour pouvoir manipuler des branchages si jamais le para se retrouve coincé dans un arbre. Retroussez les extrémités pour recouvrir la boucle. Le foulard est taillé dans le parachute camouflé T5, mais n'était pas particulièrement répandu, donc cette pièce reste optionnelle. La mine Hawkins numéro 75, montée sur une sangle rapide en toile, est également optionnelle, les parents préférant la mettre rapidement dans la musette M36 ou s'en servir. La boussole est dans un étui spécial, à côté du couteau USM3 dans son fourreau USM8. Nouvel accessoire optionnel, l'étui de masque à gaz étanche M7 avec le masque à gaz à accrocher autour de la cuisse gauche. Les paras le balançaient très rapidement, mais vous pouvez vous en servir pour y stocker des objets craignant l'eau. La musette General Purpose, ou musette GP, pouvait contenir tout ce qui ne passait pas dans la musette M36, ou ce qui devait être rapidement accessible. J'ai mis ma housse d'appareil photo moderne pour la camoufler. Et enfin, la carabine USM1 A1 était spécifiquement conçue pour les parachutistes. La carabine au-dessus est de la marque King Arms, donc en version Airsoft, d'où le chargeur non réaliste. Vous pourrez retrouver le lien de la vidéo review dans la description. La carabine de dessous est la Dunix, contenue dans sa housse spéciale pour les paras. Bonne chance pour trouver de la place en plus sur votre tenue pour l'accrocher. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !Je raille.
Ha ha ha!